tu mets sur la fédère. Camisole d'allaitement tout comme tout le temps, avec une petite veste puis avec des jeggings. En spécial en ce moment pour 22% de rabais. Puis avec quelques items non disponibles, pour changer une pièce de pizza, j'ai dit une pizza. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou. Aujourd'hui, on s'en va faire un pick-up Walmart. Puis aussi, je vais aller chercher quelques trucs en dedans qui sont pas nécessairement de l'épicerie. Désolée pour mon vieux eyeliner de hier. C'est la vraie vie, c'est de ça que j'ai l'air ce matin à 5h30. Mais c'est ça. Fait que je vous apporte avec nous. Là, Ruby, elle a découvert comment monter la glissade toute seule. Fait qu'elle fait ça à répétition. Fait qu'il faut vraiment que je la check pour pas qu'elle tombe. Capable, mon bébé. Oui, bravo. Là, tu t'es mis un petit peu. Oui, vas-y. Glisse. Wouhou! Tu glisses sur la bédaine, Tana. Mon déjeuner ce matin, j'ai pris un bagel pain doré à l'érable. Ça, avec ça, je prends juste de la vanille. Pas de la vanille, mais qu'est-ce que j'ai? De la margarine. Puis d'habitude, je mange une banane avec, mais j'en ai plus. Justement, je m'en fais le petit matin. Fait que je me suis mis une tranche de melon d'eau. Donc, bon déjeuner. Bon, donc j'ai coupé le reste du melon d'eau. Je l'ai mis au, frigidaire. Puis là, il y a de la vaisselle à faire, mais je la fais pas parce que mon mari m'a dit qu'il défrait de la vaisselle quand il arrivait du travail. Fait que je vais le laisser faire, puis il va pouvoir ranger la vaisselle. Parce que sinon, comme, c'est souvent moi qui le fais parce que moi, je le fais comme première chose le matin, tu sais, quand il est pas là. Mais là, il m'a dit, fais-les pas, je vais le faire. Fait que là, je suis comme, OK, je vais patienter un petit moment. Fait que pour le moment, on chill. J'avais mis la glissade à Ruby ici parce que là, quand elle monte seule, je peux plus comme pas la surveiller. Fait que je l'ai mis avec moi dans la cuisine pour au moins que j'ai un œil dessus quand j'étais ici. Hein. Parce que Costco, là, ça vient. Costco pas mal, la petite madame. Ouais. Bon, donc moi puis Ruby, on est habillés. J'ai mis camisole d'allaitement tout comme tout le temps avec une petite veste puis avec des jeggings, genre des faux jeans. Puis Ruby, ben j'ai gardé son chandail de hier, de sa cache-couche, mais dans le fond, son pyjama. Vu qu'elle s'est pas salie ce matin, j'ai mis un petit legging. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, on fait rien de spécial. Là, il est comme fait pas beau, mais il annonce plus beau cet après-midi. On allait faire du jardinage dans le dans la cour. Sinon, je vais faire un ménage du sol. Fait que un ou l'autre, c'est pas de quoi qu'il y a besoin qu'on s'habille chic. Ma belle-fille est chez sa mère. Non, non, Ruby, tu peux pas t'asseoir dans cela. Fait que c'est juste moi puis Ruby ce week-end. La semaine prochaine, on va l'avoir lundi, mardi, mercredi, vendredi dans le jour, vu que ça va être travail pour faire l'école. Mais sinon, c'est ça, on a jeudi, puis ce week-end sans la plus vieille. Fait que là, il pleut dehors, fait que je peux pas aller prendre ma marche matinale comme d'habitude. Fait que pour occuper Ruby, ce que je fais quand je sais pas trop quoi faire avec elle, je la fais jouer dans la chambre de sa soeur. Elle aime vraiment ça, puis c'est comme des jouets différents puis tout ça. Fait que ça, elle s'est occupée, même si là, elle est assise dans le char de Barbie. Ce qu'elle devrait pas faire, fait que je vais aller m'en occuper. Mon pick-up, je l'avais set-up pour entre 8h et 9h. Mais finalement, je m'en vais ramasser genre un petit chaise booster avec une tablette pour Ruby dans la même ville pour 8$ que j'ai trouvé sur Amazon, sur Marketplace à 10h. Fait que c'est sûr que je vais délayer un peu. On va partir, mettons, vers 9h. Je vais aller dans le magasin chercher les trucs de plus que j'avais besoin. Puis après ça, on va prendre notre pick-up puis on va aller chercher la chaise. Ça m'en prend une parce que j'en avais une avant comme que je laissais dans mon char, mais les straps ils ont pété. Fait qu'elle est pas utile puis elle a pas de tablette. Fait que ça aussi, c'est pas pratique. Là, Ruby est plus vieille puis commence à comme manger des trucs par elle-même. Puis tu sais, on passe beaucoup de temps au camping de ma mère. Ma mère elle a un petit banc chez elle à sa maison, mais là au camping on en a pas. Puis tu sais, on va chez ma belle-mère. Aussitôt qu'on va chez les grands-parents, on a besoin d'une chaise. Fait que j'en ai trouvé une pas chère. J'ai checké sur Amazon, sur Walmart, sur Toys R Us, mais c'était tout quand même comme 40-50$. Minimum. Fait que quand j'ai vu celle-là à 8$, c'est une chaise de princesse avec une tablette, je me suis dit pourquoi pas, tu sais, ça va toffer le temps que ça toffe. Puis moi, le usager. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, elle se mettait des petits jouets dans la bouche. Le danger de jouer dans une chambre d'un enfant plus vieux. C'était les petits Lego comme ça. Mais c'est ça, fait que on va.
c'est pratique. Là. On a juste besoin de quelque chose qu'on peut transporter partout. Vous savez, je suis en train de manger d'autres morceaux avant qu'elle puisse s'étouffer. Mais on va aller voir. Mon mari vient d'arriver de la job, fait qu'on va descendre en bas. Puis je vous apporte avec nous pour le reste. Ok, puis parce qu'un ami m'a demandé pour c'est où j'achète la glissade à Ruby, puis elle est en spécial en ce moment pour 22% de rabais. Fait que ça vaut la peine. Je vais vous mettre mon lien affilié dans la description si jamais vous voulez voir. Dans le fond, ça vous coûte rien de plus. C'est juste que si vous cliquez par mon lien, moi j'ai une petite commission si vous l'achetez. Mais comme je dis, ça vaut la peine parce que 22%, moi je pense que je l'ai payé plein prix. Puis là, 22% de rabais, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je poste ce vlog-là demain. Fait que je me dis qu'au pire, ça risque d'être encore en spécial demain. Je l'ai aussi mis sur mon Instagram aujourd'hui au cas où il y a du monde qui le voit aujourd'hui. On part, il pleut. Je garde mon Messi Bun pour la journée. Avec quelques items non disponibles, fait que je vais aller voir ce que je peux trouver pour les remplacer dans les allées. La première, c'était une salade. Fait que je vais sûrement prendre une salade depuis l'an après. Finalement, j'ai pris une salade organique. C'était une pièce de plus que lui en magasin. J'avais juste vu ça au Walmart qui vendent comme des kits pour faire des repas à 10 piastres. Déjà fait. Celui-là aussi. Cool! Il n'y avait plus de pain nan à l'ail. D'habitude, il m'aurait donné un remplaçant, mais là, ils m'ont rien donné, donc j'ai juste pris le blanc. J'imagine qu'il ne pouvait pas risquer que je le veuille pas. La dernière semaine, je l'avais acheté en spécial à 9,87. Là, il est rendu 15,67. 4,27. Ça vaut la peine d'acheter quand c'est en rabais, en tout cas. Parce que j'ai sauvé 6$ sur les craft dinner la dernière fois. Ça valait la peine que je check cette fois-ci parce que ça me dit qu'il n'y avait plus de lait d'avoine comme ça. Mais c'est sûr qu'ils font leur commande comme à 6h le matin, fait qu'avant que le facing, que le remplissage se fait. Mais là, à 9h, il y en a, fait que j'en ai plus. Et moi, on fait des cours de piscine toutes les semaines, puis ça fait que j'avais pris 12-18. Moi, l'autre fois, elle commence à faire mal, faire des plaies sur les cuisses, fait que là, je vais y prendre la 10-24. Ils sont juste 10$ au Walmart, fait que ça vaut la peine. Bon, fait que ma petite chaise Marketplace, c'est pas ça, c'est des brillants qu'il y a sur la tablette. C'est les princesses, puis il y a les petites clips pour mettre en dessous de la chaise, donc ça va être parfait pour 8$. Bon, fait que je vais commencer par vous montrer le froid. J'ai... les produits, mais les produits laitiers, c'est pas vraiment des produits laitiers. Le lait d'avoine, deux fois, 3,67, c'est quasiment 1,50$ de moins que, mettons, au IGA, fait que ça vaut la peine d'aller là. Fromage cottage pour Ruby, vu qu'on introduit les produits laitiers, puis qu'elle veut pas manger un ficello, fait que je vais essayer d'en mettre dans ses purées. J'ai acheté 3 yops, il est en spécial pour 88 cents. Ça, il est en spécial pour 1,25$, fait que j'ai pris un paquet de saucisses, puis j'ai pris aussi des croissants. À 1,25. Oui, tu veux des crottes, Ruby, quand elle veut des crottes, elle fait parce qu'elle n'est pas capable de dire crottes. Ici! J'ai acheté des petites gaufres comme ça parce que Ruby, elle les mange jamais. Fait que quand je fais une gaufre complète, j'ai gaspillé. Fait que je me suis dit, au moins comme ça, je peux comme en couper juste une. Ita! Puis elle va être correcte. Fait que ça va être super. J'ai pris deux poivrons. J'allais dire poivrons rouges, c'est un trio de poivrons. J'aime ça en manger dans mes salades, dans mes sandwichs, avec du hummus, etc. J'ai pris un paquet de 24 saucisses. C'est 5$ pour 24. C'est mon mot. Puis le paquet de 12, il était 3,67. Fait que ça vaut plus la peine de prendre celui-là. J'ai la salade organique que j'ai trouvée en magasin. J'ai pris une pizza, j'allais dire une poutine. Une pizza deluxe mince. C'était 3$, je pense. C'est la marque du magasin Great Value. C'est fromage, pépéronnier, saucisse italienne, poivron vert, rouge et jaune et des oignons. Fait que je me suis dit que ça me ferait une petite pizza avec une salade ou des frites. J'ai pris un autre margarine vegan. Je sais que je pourrais sûrement transitionner vers la margarine normale, mais j'attends encore un petit peu. Puis je l'aime bien de toute façon, fait que ça marche. J'ai pris une douzaine d'œufs aussi pour toffer jusqu'à temps que j'aille au Costco. Je range ça et je... Bon, ben finalement, Ruby mange des crottes heureuses, bonne humeur, man, on pourrait dire. Fait que je vais continuer. Elle est en train d'essayer de monter la glissade, par exemple. Il va falloir que je la check. J'ai amené la glissade dans la cuisine pour mieux la checker, pour être safe. Mais c'est ça. J'ai acheté des bananes, comme toujours, 12 bananes. J'ai acheté aussi du coconut pour faire mes biscuits cornflake cookies que j'aime bien. J'en avais plus. J'ai pris 3 petites purées pour Ruby quand on est en route à quelque part. C'est pratique. Puis la marque Baby Gourmet, ceux-là, ils ont un petit peu plus de
protéines puis un peu plus de gras. Parce qu'exemple, celui-là, il y a du chia dedans. Lui, il y a du coconut. Lui, c'est comme un smoothie. Fait que c'est un petit peu mieux. J'ai pris d'autres confitures double fruits pour Marie. Il va falloir que j'en pogne un gros Costco. Ça vaut vraiment plus la peine. Mais j'en ai pris un comme ça pour le moment. J'ai pris deux fois le riz Dainty. Celui-là, c'est le rôti à l'ail avec l'huile d'olive. Je voulais aussi le pilaf, mais il n'y en avait plus. Fait qu'il ne m'en a pas donné. Fait que ça, c'est mon deuxième. Un concombre. J'ai pris un navet. J'aime ça faire des légumes rôtis. Puis j'ai goût d'essayer du navet rôti. Je vais prendre des carottes aussi. J'ai pris des hamburgers parce que lundi, je m'en vais ramasser de la viande à la boucherie d'Anjou. Un forfait de viande, ça vient avec 8 boulettes hamburger. Fait que je me suis dit, on va se faire des bons hamburgers la semaine prochaine. J'ai acheté des poires pour le lunch de mon mari, comme toujours. Ceci, c'est la couche d'eau pour Ruby, 10$. Je l'ai pris dans la grandeur 18-24 mois, ma fille le 16 mois. L'autre, ça disait 20 à 25 livres, je pense. Puis elle pèse 22 livres, mais elle commençait à être serrée. Fait que j'ai quand même pris celle-là. J'ai des pain-on blancs que je vais utiliser soit pour l'humus, soit pour la pizza. J'ai pris ce produit-là nettoyant, c'est Simply dans le fond, fait qu'il n'y a aucun résidu de chimique abrasif. C'est un cleaner général à la maison, fait que je me suis dit que ça serait un petit peu plus doux pour les enfants. J'ai pris trois jus d'orange pour mon mari qui aime bien ça, comme toujours. Puis pour nous, pour la cuillère de mon mari, j'ai pris du jus de fruit punch. Puis moi, je suis partie sur un trip de jus de pomme. Puis ma belle-fille les a tout mangés, fait que j'en ai pris. Fait que je range ça et on se repart. De ce temps-ci, Ruby, elle a comme vraiment faim. Fait que je pense que vu qu'elle est plus active puis qu'elle se promène, elle a un plus gros appétit. D'habitude, elle voulait jamais de collation, mais là, comme elle avait faim à Star, là, tu sais. Puis comme 10h40, fait que je vais pas la faire déjeuner. Fait que j'ai donné du yogourt avec des fraises, puis elle est en train de manger ses petites crottes. Puis ça va la faire toffer. Après ça, on va aller faire sa sieste, puis après ça, je vais la faire dîner. Puis je vais ranger ça en même temps. Au moins, j'ai rangé le froid, fait que c'est possible. Je suis en train de préparer ça, c'est des restants d'hier, c'est du pâté au saumon avec de la sauce blanche légumes. Ruby, elle mange, c'est des petites pâtes alphabet avec du poulet puis des patates. Bon, donc on est le milieu de l'après-midi. Moi puis Ruby, on chillait, on a parlé à ma mère sur vidéo. Puis là, je suis en train de... Je vais faire cuire du brocoli pour qu'on en ait pour comme vite fait là, pour Ruby puis pour nous. Puis je vais l'utiliser aussi avant qu'il soit comme moins bon parce que je l'ai acheté dans ma dernière épicerie puis je l'avais pas fait encore cuire. Fait que ça va être ça. Mon mari devrait se réveiller bientôt. On voulait peut-être faire du jardinage en arrière. Je sais juste pas si le sol il est sec ou pas parce qu'il y a plus beaucoup. Là, il pleut plus, mais je veux quand même pas avoir mes joues tout mouillées. Oh boy, sûrement. Ma fille est partie dans la vaisselle et sa vie, c'est qui pitons. Mais c'est ça, on va voir ce qu'on peut faire pour la récolte. Ah, on est chaud. Je suis allée aider mon mari à tondre le gazon parce que ça faisait genre plusieurs semaines qu'on l'avait pas fait vu que la ville demandait qu'on le fasse pas pour aider les abeilles avec les pissenlits, etc. Il était vraiment long. Puis nous, on a une tondeuse manuelle, genre pas de gaz, pas excité, il faut juste pousser. Fait que on est chaud. Là, on est en dedans, j'ai fait des biscuits, fait que là, je vais manger des biscuits. Ce soir, on va manger des pâtes, mais je pense qu'on va coucher Ruby avant vu que mon mari a dîné tard. Puis elle a pas fait une longue sieste, fait que je vais la coucher vers 1h30 pour en manger après. Ouh, t'as un petit frisson? Oui, t'es joué dans la table d'eau? Oui. La recette que je fais pour ces biscuits-là, c'est ma recette cornflake cookies. Je vais vous le mettre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. C'est super bon. C'est en anglais, mais j'imagine que les mots, vous pouvez les mettre en français. Mais c'est ça, ça fait des super bons biscuits croustillants mais moelleux.
Sur ce, il est 6 heures. Je vais mettre Ruby au lit bientôt. Puis mon mari puis moi, on va passer du temps ensemble. On va souper. On va trouver quelque chose à regarder. Puis je veux mettre le vlog en ligne pour demain. Donc, il faut qu'il y ait le temps de uploader dans mon iCloud. Fait que c'est ça. Fait que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé. Si oui, s'il vous plaît, laissez-moi un thumbs up. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. J'aimerais ça vous avoir avec moi sur ma chaîne. Et on se voit une prochaine fois. Bye!